Quête annexe, l'elfe de maison en détresse. Chick aimerait me voir dans la salle des demandes. C'est vrai que chaque fois que je passe le voir. Qui demande, pièce secrète, elle demande. Chick aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Bonjour Chick, le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il... Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Revelio. Trouver la grotte. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Bon, très clairement, ils annoncent qu'il y a de l'araignée dans la grotte. Bon, on s'en doutait après nos échanges, mais... Là, il n'y a plus aucun doute. Revelio. Expelliarmus, Confringo. Revelio. Tobbs? Tobbs? Chick, m'envoie. Tu es là? Revelio. Confringo! Confringo. Revelio. On dirait que Tobbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Ne sautez pas dessus, hein. Ah!
Guilherme. Confringo. On te nourrisse. Confringo. Non, normalement je peux lui faire des dégâts. Confringo, Expelliarmus. Doloris. Revelio. Ce bruit n'augure rien de bon. Salle de Tob là. Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus. On va s'occuper de ses petits potes, hein. Ouais, les... C'est marrant, les petits en fait, quand ils sont sous notre contrôle, on peut pas les taper. Très très gros, les trolls. J'ai pu lui faire une attaque stealth. Trop fort, ça de la one shot direct. Ouais, t'es un petit peu attaqué, mais. Quand même, sacré labyrinthe. Hein. Ouais, ça c'est pénible, hein, franchement. Est-ce qu'il y a un pouvoir utiliser notre sort ou. Ouais, ça c'est le truc qui m'agace. Hein. Putain. Confringo. Mal fichu. De toute façon, on est revenu en été, ok. Expelliarmus, Confringo. Revelio. De maison est Tobs. Oh mince. Maître, si vous trouvez le corps de Tobs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Tobs est indigne de vous et mérite sa punition. Tobs sans faible. Oh. Pauvre Tobs. Abandonné seul avec les araignées. On arrive un peu tard. Hein. Revelio. Là-dessus, ouais, faudrait détruire le truc, mais fallait le détruire quand on est dessus, puis on peut pas remonter. Ça.
Revelio. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Oh bah heureusement qu'il me l'a dit parce que là... Le maître de Tob, c'est horrible. À ces créatures sans défense. C'est une honte. On va retourner voir notre pote. Chick, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chick, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chick. Merci, vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas.